Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous reviens pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui comme vous l'aurez vu dans le titre, j'ai eu la chance de recollaborer avec Stand Privé qui m'a proposé de choisir 3 tenues. Alors j'ai choisi des tenues estivales, je pense que vous avez compris que nous sommes dans un moment assez inattendu puisque nous sommes toujours en automne ici en Belgique. Là, à l'heure actuelle, là, quand je filme cette vidéo, il pleut, il fait froid. Voilà. Mais néanmoins j'ai quand même choisi 3 tenues estivales que je trouvais jolies. J'espère qu'elles vous plairont, franchement. Comme la première fois je suis sortie vraiment de ma zone de confort, j'ai essayé de trouver des choses que j'aurais pas forcément moi-même achetées, dans le sens où je me serais pas dirigée vers ça en premier. Mais je me suis dit allez, on essaye, on verra bien ce que ça va donner. Petite précision, avec les vêtements que j'ai reçus, il y a des chaussures. Actuellement j'ai un problème au niveau de mes jambes et de mes pieds qui font que je suis très gonflée. J'ai un traitement qui dure encore, je crois, 2 semaines. Donc mes pieds ne rentrent pas dans les chaussures, mais je vous les montrerai pour que vous puissiez avoir le look complet. Et bien évidemment, en bas dans la barre d'infos, je vous mettrai les liens des tenues, ainsi que le code promo qui vous est destiné, que vous pouvez cumuler au solde actuel. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc je suis très contente pour vous. Mais que vous puissiez voir un petit peu les chaussures qui allaient avec. Également, j'ai pas reçu tous les accessoires qui allaient avec les tenues. Et il y a un sac qui n'est pas forcément exactement le même que celui qui était présenté avec la tenue, mais qui reste vraiment dans le même style. Voilà, je voulais juste préciser ça. Je pense que vous allez le voir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des 3 tenues. Donc je les ai mises sur mon ordinateur. Parce que j'ai une mémoire de poisson, j'avais pas de poisson pourri, pas forcément. Et en termes de poisson, ce serait plutôt Dory. Nous avons cette première tenue. Elle est vraiment très jolie. C'est quelque chose que je trouvais très frais. Mais pour être honnête, c'est pas forcément quelque chose vers lequel je me serais dirigée. Ouais, je vais vous mettre ici la photo du look. Donc on est sur une petite robe, une petite ceinture également qui est compris avec la robe. Actuellement, elle est soldée à 19,99€. Ça, vous pourrez rajouter le code promo que je vous donnerai. Et ça va du 36 au 48. Donc moi, j'ai pris tout en 48, je crois. 46-48, un truc dans le genre. Il y a également une paire de bottines et un petit sac qui va avec. Il y avait également, voilà, c'est ça. Là, il y avait un bracelet ainsi qu'une paire de créoles, et celles-ci je ne les ai pas, elles n'étaient pas avec la tenue, donc c'est pas grave, ça reste pas quelque chose d'hyper essentiel, c'est à vous d'accessoiriser de toutes les manières votre tenue, donc voilà. Il y a un truc que je voudrais préciser par contre, c'est que tous les sacs de chez Stand Privé, je les aime vraiment bien. Là il y en a un, vous allez voir, c'est celui que j'utilise actuellement, donc il y a toutes mes petites affaires dedans. Mais genre, je les aime trop. Ils sont vraiment trop chouettes. La deuxième tenue, comme vous pouvez le voir, c'est une robe qui est verte. Je trouvais que le côté un peu bohème comme ça, avec les petits volants, c'était génial. Par contre, moi qui déteste repasser, je vous le dis. Voilà. Mais la robe, elle est vraiment très jolie. Elle est très fluide. Elle est vraiment comme sur la photo. Ensuite, avec, il y a un espèce de petit blouson en suédine beige, qui est vraiment genre juste adorable. Le combo des deux fait que ça casse vraiment cette masse verte. Je trouve ça plutôt joli. Également, il y a une paire de boucles d'oreilles. Celle-ci, je l'ai eue, mais j'ai pas eu les bracelets. Mais vous verrez, ça reste sur du doré. Après, je pense très sincèrement que vous pouvez accessoiriser en argenté. Ça ira tout à fait aussi. Vous avez un petit sac beige qui est vraiment trop mignon. Alors sur le sac beige, moi, je vois qu'il y a un petit nœud. Moi, je n'ai pas ce sac-là, en fait. Alors peut-être qu'ils avaient plus le modèle. Je sais pas. Mais j'ai un modèle beige gris comme ça, un petit peu. Et alors, vous avez avec des petites sandales dorées. Je trouve ça plutôt sympa comme look. Je trouvais que c'était frais pour cet été. Je trouvais que c'était vraiment joli. Je montrerai bien évidemment tous les looks portés à la fin de la vidéo. Je le fais exprès, comme ça vous êtes obligé de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et ensuite on partira sur un look un peu plus dans les tons bleus, puisqu'on est quand même sur une jupe avec un motif. Alors la ceinture est intégrée sur la jupe. C'est une jupe très fluide dans les tons bleu marine avec un petit peu d'écru. On a cette petite ceinture qui est élastique avec le côté un petit peu lacé devant, qui est très joli. J'aime vraiment beaucoup. Et alors on a ce petit haut en dentelle qui est vraiment hyper léger. Il est très extensible. Enfin je veux dire, quand vous le mettez, il va s'ajuster à votre corps, mais il est extensible et ça c'est plutôt cool. Vous vous sentez pas du coup engoncé dedans. Et alors on a cette petite veste en jeans qui donne ce côté un petit peu décontracté, je trouve. Au niveau des accessoires, on est toujours sur une petite paire de créoles. Un sac blanc avec un petit peu de paille en fait dessus, hein, que je trouve vraiment trop mignon. Il est vraiment super mignon. On a une paire de lunettes. C'est pas forcément le style de lunettes que moi je mets habituellement, mais vous allez voir, elle passe. C'est pas obligé de la prendre non plus dans le look, hein. C'est un look qu'on vous propose. Le principe un petit peu de Stand Privé, c'est que vous pouvez choisir vraiment les pièces et créer vos propres looks. Mais on vous aide vraiment aussi si vous voyez un look qui vous plaît. Ben, c'est un petit peu comme dans un showroom. Vous prenez toutes les pièces et vous avez le look qui est reconstitué. Je trouve que c'est vraiment le côté fort en fait justement de Stand Privé, c'est de pouvoir avoir vraiment ce côté, vous avez le tableau qui est là, qui est planté, vous avez tout qui est fait pour être ensemble. Vous aimez, vous le prenez, il y a un détail ou deux que vous n'aimez pas, vous le changez. Il n'y a vraiment aucune obligation. Et alors avec, ils ont terminé avec une petite paire de sandales style un peu jeans, comme ça, donc qui est fermée, qui est vraiment très mignonne. La tenue en elle-même, moi je trouve qu'elle fait à la fois
élégante mais décontractée. Il y a moyen de la décontracter encore plus, c'est-à-dire que si vous ne mettez pas le top avec la dentelle, vous pouvez mettre un petit top tout simple à bretelles, brun, bleu, écru, ça peut être hyper joli. Vous pouvez aussi rendre le côté encore plus cool, entre guillemets, c'est en mettant des petites tennis blanches, je trouve que ça peut être hyper sympa aussi. Et je vous dis, le site est vraiment fait pour que vous ayez vraiment cette liberté de créer vos looks vous-même et d'avoir en même temps ces inspirations dont vous pouvez acheter directement toutes les pièces. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de tout de suite enfiler les vêtements, de vous les montrer, porter et puis bah, on se retrouve en fin de vidéo pour la clôturer. At school. Oh my god. I'm the cool kid from the back. I'm the one calling all the shots, 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 shots. Whether you're ready or not. I'm but two penalty drop, drop, drop. Go left, go right, waking up my appetite. No fork, no knife, having dinner with my eyes. So sweet, so nice, have a slice of apple pie. Wanna see my mind, baby, you just join. Voilà, j'espère que tous les looks que vous avez vus vous ont plu. Dites-moi dans les commentaires celui qui vous a le plus plu. Est-ce qu'il y a des pièces que vous auriez changées? Je vous avouerai que moi j'ai un petit coup de cœur quand même pour la robe un petit peu bleue, alors que c'est pas du tout vers ça que je me serais tournée. Mais cette robe un peu plus classique avec le petit blazer, je trouve que c'est hyper sympa. Moi je la mettrais bien avec une petite paire de baskets, bien que les bottines sont extrêmement jolies, on va pas se mentir. Mais une petite paire de baskets, je suis très basket, hein, je pense que vous avez compris. Ça peut être hyper cool, donc voilà. La robe verte est aussi très 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 jolie. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas que vous avez un code promo qui vous donne moins 10% en plus déjà des soldes qui sont présents sur le site. Si vous commandez quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Je sais qu'il y en a qui m'ont déjà fait part en fait des achats qu'ils avaient fait. Et honnêtement, je suis super contente parce que j'aime bien voir un peu ce que vous prenez. Je suis curieuse aussi et puis ça me permet de me donner aussi des idées. Hein. Je suis pas la reine de la mode hein, du tout. Donc n'hésitez pas. Également, dites-moi si vous avez déjà commandé sur le site ou non. Qu'est-ce qui vous plaît en fait sur le site? Si c'est le style de vidéo que vous aimez bien, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir un peu plus de vidéos mode. Ça me ferait grand plaisir de vous en présenter, que ce soit peut-être des vêtements de sport, des vêtements un peu plus actuels pour sortir tous les jours, ou des vêtements peut-être pour des occasions un peu plus spéciales. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas également à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager, ça fait toujours du bien. Pensez pas que je le vois pas, je vois vraiment et ça me fait vraiment trop plaisir. À vous abonner à la chaîne si celle-ci vous plaît et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Use them. I don't care. I'm the cool kid on the block. I'm the